Allez, c'est parti. Salut, salut les Greenmovers. Comment allez-vous? On espère que vous allez bien. Nous, on va super bien. On vous a préparé aujourd'hui un workout assez dément sur le thème des arts martiaux mixtes. Parce que vous allez voir, on va passer de la boxe au pied, au sol. On va faire de la bagarre en bonne et due forme. Si vous n'avez jamais pratiqué d'arts martiaux, vous inquiétez pas, on va tout vous expliquer pour que ça soit simple. Pas de panique. Il y aura des adaptations pour tous les niveaux. Et puis, l'objectif, ça va être de développer quelques capacités de défense, des mouvements du coup de bagarre. Et on va faire du cardio en intervalle training de haute intensité, puisque ça va être un WOD de 5 fois 5 minutes avec une minute de pause. C'est comme les combats de MMA en championnat du monde, donc ça va envoyer. Après le warm-up, on fera un jeu de bras. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Et le WOD, comme je vous ai dit, ça va envoyer. Eh bien... Avant toute chose, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche. Et on est parti. Eh bien, oui, on est parti. Si tout le monde est là, si tout le monde nous entend bien, je pense que c'est parti. On envoie le full screen. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous nous entendez bien. On monte un petit peu. Si vous nous voyez bien. Hop, pour être bien. On peut tout à fait, comme Elissa le suggère, commencer à s'ambiancer. Et on va partir sur... Ça fait bien trop longtemps que les boîtes de nuit sont fermées. Les habituels rebonds d'épaule. Pour partir sans pression. On relâche tout le haut du corps. Ça part des genoux. Ouais. Ah, j'aime bien faire ça comme ça. Toi, t'es obligé de te changer quand je me change. Ça oui, part des okay. Genoux. On relâche complètement. Cocher la coche. Exactement. Pierre qui mousse ou pierre qui roule. De toute façon, c'est la même personne, j'imagine. Commencez à marcher sur place avec toujours les bras ballants dans cette marche de Laurent Houtin. Alors, comment allez-vous de votre côté? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. On se détend. On rebondit. Et on va faire des 8 couchés. Donc là, c'est vous prenez un medicine ball imaginaire et vous dessinez des 8 couchés. Donc au début, vous allez voir, vous allez peut-être être un peu raide au niveau des pieds. Le 8, il est petit devant vous, bras fléchis. Et petit à petit, vous allez mettre en action tout le corps, des mains jusqu'aux chevilles qui effectuent les mouvements de... On se met sur la pointe des pieds pour effectuer la rotation. Parce que je ne voulais pas spécifier, mais la séance d'aujourd'hui, c'est aussi avec des mouvements de rotation. Vu qu'il y a beaucoup de mouvements de rotation en bagarre pour... En bagarre, pour donner des coups de poing. Donc là, on utilise ce 8 couché là pour commencer à chauffer la colonne. Salut Maïlis. Salut Maïlis. Eh ben ça va, c'est sympa de nous le demander, nous ça va très bien. En ce début de semaine... Et vous voyez le 8 couché, pardon je t'ai coupé. Oui je vois ça. On démarre tout petit et petit à petit, on le fait grandir. Faites attention de ne pas avoir des meufs derrière, mais en tout cas, essayez de ne pas vous taper dedans. Soufflez bien, soyez pas tendu hein. Et là, vous pouvez le faire vraiment avec les bras complètement tendus, comme si vous mettiez des coups. Des claques. Voilà. Sentez-vous libre dans la colonne vertébrale, vraiment. Là, comme si vous dansiez. C'est des grands mouvements croisés. Continuez. On va commencer à sautiller sur place. Donc là, on va beaucoup sauter dans cette séance. Vous vous adaptez si les sauts pour vous, c'est limite niveau périnée, niveau dos, etc. Vous marchez. On saute et on se met avec une jambe devant, une jambe derrière. Celle que vous êtes le plus à l'aise pour devant, ça va être notre garde. Et les mains, vous voyez, au niveau du menton, en semi-garde. Et on se déplace. D'abord, on avance. 3-4 pas en avançant. 3-4 pas en reculant, on essaye de toujours garder l'écartement entre les jambes, on n'est pas comme ça, on ne croise pas les pieds, on danse pas le menuet. On dirait le chihuahua là qui danse. Non, on garde les pieds larges pour être stable. On avance, on recule et on ne termine pas la phrase par la citation que l'on connaît tous. J'avance, je recule. J'avance,
Je recule. J'avais même pas pensé. Maintenant, on fait des pas de côté. Toujours avec les mains proches du menton. Aucun respect. Si vous n'avez pas beaucoup d'espace, comme ici, c'est pas grave. Vous faites 3-4 pas sur le côté, 3-4 pas sur l'autre côté. Voilà, à gauche, à droite. Voilà. Et maintenant, vous allez tourner sur place. Toujours avec cet écartement, vous pouvez sautiller. Hein. Vous pouvez soit marcher avec vraiment les pieds qui se déplacent l'un après l'autre. Oh, pardon. Je cherche la bagarre. On a cassé. Soit vous sautillez et vous faites votre tour dans un sens, votre tour dans l'autre. Essayez, si vous sautillez, d'être très léger sur vos appuis. Très léger sur les genoux. D'ailleurs, essayez d'amortir les rebonds. Et pareil, les mains, essayez d'être lâche. Et vous voyez que si vous êtes lâche, il y a les bras qui commencent à vouloir partir pour donner des coups. Et bien, c'est ce qu'on va commencer à faire. Puisque là, on va rebondir et on va envoyer le poing avant. Avec le pied. Le jab, voilà, avec le pied. On rebondit vers l'avant. Donc, jab, c'est quand vous envoyez le poing en même temps que la jambe avant. Et l'autre main, même côté. Vous essayez de la garder à peu près au niveau de la tempe. Ok, maintenant on va se déplacer, on va avancer, on va reculer, on va aller sur le côté, et de l'autre côté. On change d'arrêt de jambe? C'est votre garde pour l'instant, on fera les changements de garde juste après. Donc ça c'était le jab. Maintenant pour le cross, donc c'est le point arrière, il va venir frapper en direct. Donc toujours si vous voulez sautiller, vous pouvez vous donner votre cross et vous reculer. En gros, vous distribuez votre coup et vous ressortez. Vous rentrez dans la zone, vous ressortez. On rentre dans la zone de contact, on ressort. On rentre dans la zone, on frappe, on ressort. Et essayez d'être sur la pointe des pieds un peu léger. Quand vous donnez votre cross, à l'arrière, vous voyez le pied, il est bien ancré dans le sol. Il est en rotation. On se mi-fente. Quand vous donnez votre coup, vous reculez pour pas recevoir le retour. Donc on a vu le jab, le cross, maintenant on va enchaîner les deux. Jab, cross. Et on continue. Jab, cross. À vous d'enchaîner librement. Jab, cross. Pensez à respirer, ça va être très important. Et si vous avez de l'espace, déplacez-vous. Il y a monsieur Iskander. S'il te plaît, François. Oula, oula, oula. Donc continuez à faire votre jab, cross. Déplacez-vous dans l'espace dont vous disposez. Esquivez les meubles, esquivez votre copine qui commence à vous taper, ok. Allez, maintenant sur place, on va faire une montée de genoux unilatérale, unijambiste, les amis. On rebondit en montée de genoux unijambiste, on fait une dizaine de coups et on change de côté. On est léger sur l'appui, le talon ne touche presque pas le sol. De vélo, François, pas de travail. Elle est en train de faire sa commande au marchand de vélo, Mélissa, en attendant. On a fait une dizaine de chaque côté, maintenant on enchaîne. Gauche, droite. Pensez à respirer à chaque fois que vous donnez un coup, ça va donner de la puissance. Ça va éclater la mâchoire de votre adversaire, moi je vous le dis. Utilisez vos bras. Maintenant on va faire un coup de genou, un coup de pied bas. Un coup de genou, un low kick. Un coup de genou, un low kick. Si c'est trop dur pour vous, si vous ne connaissez pas la technique, vous faites simplement, vous levez le genou, vous tendez la jambe. On lève le genou, on tend la jambe. Avec les mains, toujours sous le menton si possible. On en fait une dizaine de chaque côté. Oh, Mélissa, tu nous lèves. Ah bah, franchement, bouge pas. Pourquoi? Ah, pardon. Autant pour moi. Ah, et franchement, Mélissa, elle a le sens du spectacle. Autant pour moi. Désolée. Paf. Oh, on a un pic. Il y a 10 000 personnes déconnectées. Le retour des échauffements de Didier. Ah, Didier, il est là aussi. Mais non, t'as pas compris, toi. Bah non. C'est le retour des échauffements de Didier. Ah, je comprends maintenant. Certainement quelqu'un qui s'entraînait avec toi et Didier. Ah, Didier. Bah oui, c'est filou, oh ça, là je là pense. Il faut tout lui expliquer. Bon, hein. On était en garde, avec la garde de tout à l'heure. On a les mains assez hautes, on est léger, on change de garde. Et on rechange de garde. Et là, on sautille. Et au signal, vous faites un changement de garde ou plusieurs en fonction de ce que je vous demande. L'idée, c'est d'engager vraiment tout le corps pour avoir le regard toujours fixé vers l'adversaire et d'exploser pour changer de garde. Faut pas s'excuser qu'ils disent. C'est parti, on change de garde.
On a une audience. Déplacez-vous un petit peu. On change de garde. Et là, on va changer deux fois de garde. C'est parti. Explosif. Encore, on change doublement de garde. Encore. Une fois. Une fois. Une fois. Une fois. Dans des pièges. 3, 1, 2. Une fois. Une fois. Et 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est bon. Continuez à sautiller comme si vous étiez en mode corde à sauter. Et doucement. On va terminer cet échauffement avec de la protection. Parce qu'il faut se protéger, les amis. Donc pour la protection, on est assez... En général, on est un peu sur le reculoir, mais là, on va essayer d'être... Qu'est-ce qu'elle nous fait? Donc, pour la protection, on va mettre les mains au niveau, ici, du visage. Et on va faire comme si on se recoiffait. Donc, on se tortille un petit peu. On courbe un petit peu l'échine. Et on fait comme si on se recoiffait. On présente les coudes. Comme ça, si l'adversaire, il frappe dans le coude, il se casse la main. Et on essaye de dessiner des ronds avec la tête. Sur le côté, on esquive. Et maintenant, c'est parti, 30 secondes, on se déplace. Et là, c'est comme si on se faisait mêler. Oh. Le mec, il n'en peut plus de sa personne. Et je meurs. Allez, continuez encore une dizaine de secondes. Vous esquivez, on fait des U avec la tête. On présente le coude. Vous voyez, la main là vient vraiment glisser sur la tête et l'autre elle reste ici au cas où si on se fait viser au menton. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, soufflez. On termine l'échauffement en se mettant à quatre pattes. On fait un peu le bébé. Ici, on est sur les genoux et on va se déplacer un petit peu en bébé à quatre pattes. On commence à mettre de la pression sur les mains. Donc si les poignets sont pas chauds encore, vous pouvez tout à fait les mobiliser. Hein. Sinon, on fait un peu de bébé. On essaye d'être bien contralatéral, c'est-à-dire main gauche, pied droit qui avance. Et inversement. Et quand vous êtes bien, eh ben, on soulève les genoux du sol et on passe en chat. On gaine bien, on serre bien les abdominaux. Si les genoux sont douloureux ou s'il y a... une articulation qui gêne, on revient bébé. On repousse bien le sol avec les omoplates. Et c'est bon les amis, on passe au jeu. Donc le jeu, là, vous pouvez vous munir d'un bâton. Hello Hervé Guignard. Hello BVR. Ça faisait longtemps. On se munit du bâton et là, ça va être un jeu qui va impliquer des rotations internes et externes de l'épaule. Donc un petit peu ces mouvements-là. Qui sont très bons pour justement mobiliser et utiliser les muscles de l'épaule qui sont souvent trop faibles. Et c'est aussi un mouvement utilisé en lutte pour... c'est des drills de lutte, donc des exercices à utiliser en boucle. Pardon. À utiliser en boucle pour se placer bien correctement quand on est face à un autre lutteur. Donc je vous invite à mettre votre bâton sur le dos des mains. Donc vous voyez, là j'ai la paume des mains vers le sol. Et mon bâton, il est au niveau des doigts, à peu près. Dans cette position-là, je vais fléchir un coude et l'autre, je vais tendre la main devant. Donc, j'ai un coude fléchi proche de moi et l'autre, main tendue. Et dans ce cas-là, ici, je vais essayer de venir passer ma main au-dessus du bâton pour le passer en dessous ensuite et venir faire des tours comme ça. Le but du jeu, du coup, ici, ça va être... Mélissa, arrête de faire n'importe quoi, s'il te plaît, tu me déconcentres. Vous imaginez pas ce qu'elle est en train de faire derrière la caméra. Donc, l'exercice, je le fais pour vous montrer de plus près. Je fléchis mon coude, je tends l'autre main. Ma main ici passe au-dessus pour venir crocheter le bâton en dessous. Et j'essaye de repasser en dessous. Et donc, c'est un jeu de motricité fine au niveau des mains. On va le faire pendant 5 minutes et on va essayer... d'être de plus en plus fluide. Si le bâton tombe, on en profite pour faire du réflexe, pour ne pas le faire tomber par terre. Donc, on a les genoux légèrement fléchis, on tend un bras et on fléchit l'autre, on passe en dessous,
Et vous voyez ici, là, le bâton qui est au niveau du coude. Vous voyez là, la belle veine là, du... Ça bloque à cause du biceps trop gros. Ça bloque. Non, du coup, pour que ça bloque pas, le bâton doit glisser un petit peu. En parlant de veine, si vous voulez avoir une super vidéo sur la veine du bibi, n'hésitez pas sur notre chaîne. On a fait ça il n'y a pas si longtemps. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. C'est de vulgariser un petit peu la science et le sport. Alors, Mélissa, tu vas nous lancer un petit chrono pour qu'on travaille 3 minutes non-stop. Il est où le chrono? Il est juste au-dessus de toi. Ou alors tu comptes dans ta tête comme tu veux. Oui, oui, bien sûr. L'idée ici, ça va être d'acquérir, si on peut, de la fluidité pour enchaîner sans pause. Pour pas que le bâton se stoppe. Tu nous lances? Ok, allez. 3, 2, 1, c'est parti. C'est parti. Allez, on respire, c'est un mouvement qui nécessite de la concentration. Au début, là, je suis vraiment les pieds figés au sol. C'est tombé, c'est pas grave. Si vous êtes, si vous sentez gauche, c'est aussi normal, vous allez vite vous améliorer à être concentré. Et c'est aussi un petit peu un mouvement qu'on peut assimiler au frotté lustré, pour ceux qui connaissent Karate Kid. C'est le mouvement que le maître Shaolin enseigne à son disciple pour à la base nettoyer sa voiture, mais en fait c'est pour donner des coups correctement. Et donc c'est un petit peu le même style. Ici ça paraît un mouvement inutile, mais en fait c'est du contrôle fin, de la douceur et de l'amour tout simplement. Allez, respirez bien, mais ça nous reste combien de temps? Deux minutes. Et je vous invite, là vu que vous en avez fait une minute, vous commencez à être bien, vous pouvez vous déplacer et commencer à faire une danse. Là c'est vraiment si vous êtes perché comme moi. Et vous dansez avec le bâton. Et vous vous mettez dans la peau d'un ninja en mode... Je suis un fou, quoi. Moi, personne m'emmerde. Tu veux essayer, Mélissa? Ouais. Bah, viens essayer. Je continue. Prends-toi un bâton, munis-toi de ton arme. Prends ton arme, mon petit Shaolin. Mon petit scarabée. On a 1 minute 50. Allez, encore 1 minute 10. Ça passe pas, j'ai le biceps trop gros moi aussi. Ça passe pas du tout. Ah, c'est pas si évident que ça. Hein. Donc, je fais un topo hein, pour ceux qui n'y arriveraient pas encore. Je fléchis le coude. Le bâton, il arrive proche de mon coude. Là, j'ai besoin de le faire glisser un petit peu en avant pour pouvoir passer ma main en dessous. Et il y a un petit moment où le bâton, il est limite à tomber. Hein, c'est normal. Vous allez juste vous le reprendre. Soufflez bien, il reste 30 secondes. Si ça tombe, c'est pas grave. Hop, on repart en faisant des galipettes avec le bâton. Allez, soufflez. Reste 20 secondes. On peut commencer à être bien fluide. Mais ça, tu y es arrivé ou pas? Oui, tout à fait. Hop là, on peut accélérer si on le sent bien. Accélérer, pour moi, ce n'est pas encore... C'est pas envisageable, c'est normal. C'est un mouvement qui nécessite un apprentissage de quelques minutes au moins. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et posez vos bâtons, les amis. Buvez un coup. Qu'est-ce que vous en avez pensé aussi? Dites-moi en commentaire. Si c'était de la merde, n'hésitez pas à nous le dire. C'était vraiment comme ça. Du coup, Benjamin Pétaret, DJ Tampax est avec nous. Alors, Didier blague private joke. Alors, les amis, vous buvez un coup, détendez-vous les épaules si ça a un petit peu crispé. Et vous pouvez aussi commencer à sautiller sur place, comme Mélissa va faire, en mode corde à sauter. Et. Alors, je vais juste baisser un petit peu pour vous expliquer le WOD. Donc, on n'entend rien déjà. Le WOD du jour, c'est un main event de l'UFC, c'est-à-dire un combat de 5 x 5 minutes avec une minute de pause entre chaque round. Donc ça c'est dit, bam. Ensuite il va falloir produire un effort cardio assez intense en effectuant toutes les phases d'un combat de MMA. Donc au sol, debout, avec des marches d'animaux qu'on va incorporer, parce que oui, il peut y avoir des marches d'animaux au MMA. Le premier round, ça sera de la boxe pied-point, vous suivrez Mélissa. Si vous vous êtes complètement largué, vous ferez simplement de la corde à sauter.
mais ça va le faire, j'en suis sûr. J'espère qu'il n'y a pas trop de décalage entre la voix et moi. Si, je pense. Ah oui, il y a un petit décalage, mince. Alors, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Alors, le premier round, comme je vous ai dit, c'était de la boxe. Le deuxième round, ça sera de la marche d'animaux. Ensuite, il y aura des jambes, principalement. Le quatrième round, ce sera aussi des marches d'animaux. Et le cinquième round, les amis, c'est surprise. Complètement surprise. Alors, on démarre, je lance le chrono. Donc, préparez-vous. Il y a ce mouvement-là. Oui, tout à fait. Je prépare le chrono et on va partir avec de la boxe. Tout simplement, vous vous déplacez et je vais donner des consignes. 3, 2, 1. Oh, c'est purée. Parti. Donc, vous vous déplacez et vous donnez des coups comme jab cross, comme tout à l'heure. Voilà, donc on démarre tranquille. Voilà. Tranquille, Mélissa. Tranquille, tranquille. Pour l'instant, tranquille. Voilà. Tu te déplaces. Et jab. Là, vous allez devoir donner le coup que je dis. Donc, jab. Et double jab. Tu te recules, tu te déplaces. À chaque fois, on donne le coup, on se déplace. Jab cross. Et on donne de l'intensité. Jab cross. Parce que c'était pas assez intense. Et double jab. Et double cross. Et jab cross. Et tu te déplaces, tu esquives un peu. Voilà, tu esquives. Plus tonique si possible. Voilà. Encore. Et tu esquives et tu jabs. Tu esquives, tu crosses. Tu esquives, tu jabs. Tu esquives et tu re-esquives. Ok. Et là, 5 coups, c'est parti. Ok. Tu esquives. Esquive. Jab cross. Et jab cross. Et 10 coups. J'ai pas compté. Ok. Et jab cross. Et 5 jabs. Et 5 jabs. Et on esquive. On esquive, on jab. Et là, on introduit le crochet. Donc jab cross crochet. C'est pour ceux qui connaissent. Sinon, vous continuez à faire du jab cross comme je vous l'ai dit. Jab cross crochet. Encore. Encore. Je vous mets le chrono aussi parce que je l'ai lancé sur le chrono tout à l'heure. Allez, 10 coups, c'est parti. Ça, c'est beau, ça. Allez, on esquive, on se déplace. Après, j'ai fait de la capoeira ce matin. On se déplace encore, on esquive, on frappe. On esquive, jab, cross, crochet. Super. Donc là, on va commencer à donner des coups de pied. C'est parti, deux low kick. Voilà, deux coups de pied bas. Maintenant, des montées de genoux, enfin des coups de genoux. Voilà, quatre du même côté. J'attends tes indications. C'est bon, c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Ensuite, tu te déplaces, toujours tu frappes. La fête, faites-moi, allez, 30 secondes de combat libre avec des coups de poing, des coups de pied. À vous. Mettez de l'intensité. Allez, que des points là à fond. C'est parti, que des points. On boxe. Allez. Super. Et 3, 2, 1. On relâche, on continue à se déplacer. Et on donne un coup de pied. Comme vous voulez. Maintenant, jab cross. Jab cross esquive. Jab cross crochet. Jab cross esquive. Jab cross, esquive, cross. Non, pardon. Double jab. 5 coups. Allez, on se déplace, on esquive, on se recoiffe. On imagine vraiment le combattant là qui est en face de nous et qui nous charge. Et on contre. Donc, on se recoiffe, on donne un coup. On se recoiffe, on donne un coup. On se recoiffe, on donne un coup. On bloque, on donne un coup. Allez, on continue comme ça. Pendant 20 secondes. On bloque, on donne un coup. Le coup, ça peut être un coup de genou, ça peut être un coup de poing. Et on se dit vraiment, il y a quelqu'un en face de nous, on le bloque et on tape tout de suite. On bloque, on tape. 3, 2, 1. Ok, sautillez sur place, comme si vous faisiez de la corde à sauter. Voilà. Voilà, faites comme Mélissa si les bras sont lourds. Si vous êtes
chaud, continuez à vous battre comme si vous étiez en combat. Ok, on va sortir le jab cross plus déplacement. C'est parti. Jab cross, déplacement. On peut changer de garde? Tu peux changer de garde si tu veux. Jab cross, déplacement. On se déplace. Jab cross, on se déplace. On se déplace. Si vous avez un élastique aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais vous pouvez le mettre dans le dos pour boxer avec votre élastique. Jab cross, on se déplace. Jab cross, on se déplace. Jab cross, on se déplace. Allez, reste 20 secondes les amis. Et 10 coups, c'est parti. Et là, que des coups de pied pendant 10 secondes, c'est parti. Et 5, 4, 3, 2, 1, 1 minute. 1 minute les amis, buvez un coup, c'est l'entre-deux rounds. En général ici les combattants, on les fait s'asseoir un petit peu, ils relâchent les bras, ils boivent un petit coup, ils se rafraîchissent. Ça va monter là. Ils crachent leurs dents. Ils crachent leurs dents, oui, accessoirement. Donc c'est le moment pour vous là de vous oxygéner pour repartir au mieux sur les marches d'animaux qu'on va faire derrière. Et le premier animal ce sera le chat, donc celui qu'on a fait tout à l'heure. Vous pouvez le faire de cette manière comme vous l'avez fait en vous déplaçant d'avant en arrière, ou avec votre paire de chaussettes ou votre balle pour avoir en même temps de la précision du jeu de main. C'est-à-dire vous le lancez et vous essayez de vous déplacer en le récupérant à chaque fois. Et si vous voulez encore plus de challenge, vous essayez de le récupérer par-dessus. Mais c'est plus challenging. Eh bien les amis, on repart dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Une minute. Une minute de chat. Vous boostez le son un petit peu. Kiffez les amis, un mardi soir. Bientôt le pont peut-être pour bientôt certains. Bientôt le week-end. Bientôt le week-end. C'est mardi soir, bientôt le week-end les amis. Voilà, comme Mélissa, donc rentrez bien le ventre, serrez bien les viscères contre vous, contre la colonne vertébrale. Vous là, elle a les fesses, près de vos viscères. Elle a les fesses un peu hautes, mais c'est, ça peut être en sécurité pour pas creuser le dos. Et elle peut faire, elle peut jouer à la bobale aussi, avec sa pelote de lèvres. Allez, encore 20 secondes. Et dans, du coup, après la... Dans 15 secondes, on se mettra sur le dos pour faire du culbuto croisé. Mais pas tout de suite, encore 10 secondes, Mélissa. Et 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, mettez-vous sur le dos et on fait du culbuto oblique. Donc, vous commencez à le connaître. Vous avez besoin d'un tapis ici, sinon si vous faites ça sur le carrelage, ça risque de faire mal au dos. Le but, c'est de se tortiller. Alors Mélissa, elle s'attrape les genoux, mais je vous conseille d'imaginer que vous avez un poids dans les mains et que vous le passez de gauche à droite. Allez, pour moi les amis, ça change pas grand chose. Ça continue les amis. Oui, Mélissa a le bas du dos plat. Une vraie planche à découper. On change de sens, non? Vous pouvez changer de sens, tout à fait. À vous de gérer quand vous... Donc c'est un mouvement très intéressant. Parce qu'il force à avoir un bon rythme, sinon on ne tourne pas. Sinon on reste sur place. Si vous n'y arrivez pas, faites des abdos type sit-up. Et 5, 4, 3, 2, 1. On part sur le canard avec Mélissa, on le limite. Plusieurs versions pour le canard. Soit ras du sol comme elle le propose, soit comme je le propose, plus haut. Avec simplement les genoux fléchis, et on essaye de marcher lentement. En contrôle, si on veut, sur la pointe des pieds, l'idée c'est d'avoir une marche basse, avec les genoux dans l'axe, vraiment alignés, et le dos droit. Si vous faites au ras du sol comme moi, les genoux ne doivent pas s'écarter sur le côté. Voilà, on reste dans une gouttière. Allez les amis, tenez bon. Coup de trapèze, tout à fait. Ça reste une solution. Quand le dialogue n'est plus possible, c'est le trapèze qui part. Allez, 3, 2, 1, on part sur le singe. Donc on regarde Mélissa, le singe, on pose les mains, les pieds décollent pour passer de l'autre côté.
et on se déplace comme ça. On peut faire simplement des allers-retours. Ah mais non, excusez-moi en fait. On continue sur le canard. Pardon. Continue sur le singe. C'est moi qui me suis embourbé dans mes comptes. Voilà le singe. Mélissa, elle le fait avec les fesses hautes, mais vous pouvez le faire vraiment en mode macaque. Moi, je le fais avec les fesses hautes parce que je ressens une petite douleur dans le genou. Voilà, Mélissa adapte, elle remonte. Si tu veux d'ailleurs que je prenne ton relais, n'hésite pas, ne va pas te blesser. Pour l'instant, ça va. J'ai déjà eu une séance de danse aujourd'hui, plus du yoga, plus je ne sais quoi. Donc, ménage-toi, ménagez-vous d'ailleurs. Enfin, faites l'effort avec le plus d'intentions possible, toutes les bonnes intentions possibles, mais ne déconnez pas, quoi. Faites-vous pas mal. Et là, on change de mouvement, on part sur le triangle. Donc là, on se met sur les fesses, sur le dos. Parce que c'est... On se met sur le dos, on met un pied sous le genou et on fait des levées de bassin. Donc si c'est trop technique pour vous, vous pouvez juste faire des levées de bassin. Sinon, vous mettez le pied sous le genou pour comme faire si des levées. Vous faisiez un triangle autour de, voilà. De votre adversaire. Vous dandinez de gauche à droite. Allez, c'est parti. Sinon, hein, encore une fois, le sit-up ou le lever de bassin. Tu peux changer de pied dès que tu en as fait une dizaine. Voilà, comme Mélissa, vous pouvez vous mettre les mains au sol pour avoir de l'appui. Et 5, 4, 3, 2, 1, 1 minute break. Ouh. Ça va Mélissa? Oui, il est chaud. Ça va vous les amis? Donc là, on a été encore sur le deuxième round. Ça commence à peut-être piquer un petit peu. C'est surtout sur le troisième, quatrième et cinquième que ça va être difficile, difficile. Donc, buvez un coup, marchez. Et le premier exercice du prochain, donc là, ce sera en 30-30. Ce sera 30 secondes d'exo, on passe à l'autre exo, etc. Ça sera des petits pas suivis de sauts. Petit pas, petit pas, petit pas, saut. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, saut. Donc, une dizaine de petits pas, un saut. Sur l'atterrissage, soyez le plus léger possible. Faut pas que ça fasse bam, bam. Quoi dire d'autre? Sur les petits pas, vous pouvez écarter les jambes ou les resserrer. L'idée, c'est d'avoir le moins de temps possible. Plus de fréquence. Voilà, la fréquence, les petits pas. Vous devez sentir vos jambes qui se mettent à trembler, qui sortent de votre corps. Et 3, 2, 1, c'est parti. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, saut. Petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, petit pas, saut. Petit pas, 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 saut. Après le saut, vous pouvez prendre une seconde. Hein. Allez, encore 15 secondes. Vous pouvez sauter sans couper les jambes. Tout à fait. Et 6, 5, 4, voilà. 3, 2, 1. On part sur des coups de pied. Donc là, soit vous faites des coups de pied enchaînés en rebondissant. Donc là, allez-y, commencez. Hein. Soit vous faites des montées de genoux. Le plus rapidement possible. Hein. Là, on commence à chercher le cardio. Sur les coups de pied, on essaye d'être violent avec de la fréquence. On ne cherche pas à monter haut, on cherche à frapper rapidement. Et 3, 2, 1, split squat. Donc là, soit vous faites le split squat, c'est ce mouvement-là, c'est une mini-fente, soit vous faites simplement des squats en gardant bien le gainage, le dos avec ses courbures naturelles. Vous expirez quand vous poussez. Le split squat que Mélissa propose, il cible beaucoup plus les quadriceps, mais par contre, il peut mettre en danger les genoux. Il peut mettre en danger les genoux. Mais c'est pour ça que c'est à vous de voir. Et on passe à l'exercice suivant qui est encore des kicks. C'est parti, 30 secondes de kick. Ou des montées de genoux ou des coups de genoux. L'idée, c'est d'avoir de la fréquence ici. Vous pouvez avoir de l'ouverture de hanche aussi, hein, parce que là Mélissa est devant, mais vous pouvez donner sur le côté. Et 5, 4, 3, 2, 1. Là c'est des fentes avec coup de genou. Vous faites une fente, un coup de genou. On change une fente, un coup de genou. Vous changerez quand je vous le dirai.
On va faire 15 secondes de chaque. 1:30, un coup de genou. On essaye d'être explosif. Si on peut sauter, on saute. Et changer de jambe. Fente, coup de genou. Sur la fente, essayez d'être le plus large possible ici pour ne pas avoir le genou en surpression ici, avec un angle trop fermé. Et on revient au petit pas, petit pas, petit pas. Saut, c'est parti. Allez, je vous monte le son. Donnez-vous à fond. Petit pas, 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 petit pas. Saut. Maintenant, je vous dis quand sauter. Le reste du temps, vous faites que des petits pas. Saut. 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 Ok, c'est parti sur les kicks. Là, on est en mode bagarre, hein, donc si vous voulez faire sur place comme ça, vous pouvez, mais vous pouvez aussi vous déplacer, lancer un kick pour déplacer, vous faire un kick, tchac. Essayez d'avoir, d'imaginer le combat en fait. Pas besoin de monter haut, hein, j'ai dit ça, elle monte pas très haut, il n'y a pas de souci. Allez, encore 6 secondes. Et on passe au split squat, c'est parti. Ou squat classique, bien sûr. Coucou, Lucie. Elle est plus là. Va bien. Elle est plus là. Benjamin ne sait toujours pas comment marche Instagram. Je découvre. Déjà, il paraît que quand on branche le truc sur la prise électrique, ça fait. Faut pas mettre les doigts dans la prise. D'accord. Faire gaffe. Allez, encore 10 secondes. Engagez bien les abdos et le périnée, hein. C'est important dans tous les exercices qu'on vous propose pour protéger le bas du dos. Et des kicks. 30 secondes de kicks. Voilà. De la fréquence si on peut. Si on peut plus. Voilà, exactement. On s'amuse. On peut envoyer le pied. Si on se sent capable de le faire. On peut essayer, monter petit à petit, mais pas d'un coup. Et 5, 4, 3, 2, 1, des fentes avec coup de genou. C'est parti. Pas besoin de descendre très bas. On veut juste de l'intention sur le coup de genou. Et de la fréquence si possible. On reste avec la même jambe. On va changer dans 3, 2, 1. Changer de jambe. Prenez la tête de l'adversaire. Pah ! Éclatez contre le genou. Allez, on arrive à la fin de ce round. Donnez tout ce que vous pouvez. 3, 2, 1, souffle. Ah, souffler, marcher. Le quatrième round, ça va être de la marche d'animaux, comme on a vu tout à l'heure. Sauf que je vais appeler des animaux et vous allez les faire. Un vrai zoo ici. C'est la jungle. Ici, c'est la jungle. Welcome. Souffler, marcher. Adapter encore une fois. Hein. Le mot-clé, ça reste l'adaptation. Descendez moins bas. Si vous avez une douleur et que vous ne pouvez pas faire l'exercice, remplacez-le par de la corde à sauter virtuelle. De la air corde à sauter. Air corde. On commence par. On va commencer par le chat. On va être sympa. On va commencer par le chat. Il y aura le chat, il y aura le singe, il y aura le canard, il y aura le crabe. Tiens, on ne l'a pas fait. Et 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti avec le chat. Allez, il faut tenir 5 minutes, les amis. 5 minutes en chat. 5 minutes. On va changer d'ici, ne vous inquiétez pas. On passe en canard. C'est parti. Le canard bas ou haut, en fonction de ce qu'on peut faire. Et le canard, on va marcher tout droit. Marche-toi, François. On passe en singe, c'est parti. Allez les amis, réveillez l'animal en vous. J'ai mis un legging spécial animal. Et Benjamin n'a même pas mis un petit zèbre. On revient en chat, on revient en chat. Si on veut jouer avec la babale, on joue avec la babale. On part sur le culbuto oblique.
C'est parti. Oh là, ça glisse. Oh là là, j'ai le dos tombé. Donc le but, hein, c'est de faire des ronds sur place. Si vous ne pouvez pas faire de culbuto, que vous ne maîtrisez pas le mouvement pour l'instant, faites simplement du L-sit, pas du sit-up, pardon. Attention à ne pas tirer sur les cervicales, pas mettre les mains derrière la tête. Et continuez parce que je vais vous en réserver un bon stock là du culbuto. Donc ça commence à brûler. Ça commence à brûler ou pas, Mélissa? Ah, ça commence à brûler chez vous aussi ou pas? Vous me direz tout à l'heure. Et on part sur du crabe. Donc le crabe, vous avez simplement à vous asseoir et à marcher comme Mélissa propose là sur le côté ou devant. On repousse bien le sol avec les omoplates. Et si c'est trop dur, on peut poser les fesses et marcher en posant les fesses. Voilà. Du chat, c'est parti, on part sur du chat. Tu veux bien le chat? Ah oui, le chat, il est bon. On contracte bien les abdominaux. On regarde à 20 cm devant les mains. Pas à 2 mètres devant, sinon on risque de se faire mal au cou. On repart sur du canard. Profitez de la pause cardio là. Parce qu'après ça repart. Me semble-t-il. Là, ça doit être plutôt musculaire que cardio. On part sur du singe. Yes, oui, trompé. Essayez d'adopter une posture un petit peu féline. À avoir de la féline pour un singe. Non, mais féline, en tout cas animal. Avoir une sorte de nonchalance. Jouez sur le style, vous verrez que vous allez certainement y prendre goût et vous allez bouger différemment. Et on repart sur le culbuto. Ou les abdominaux type sit-up. Contract, voilà, soufflez et contractez bien aussi le périnée. Changez de sens, de temps en temps. Changez de sens. Et tenez bon, il reste 1 minute 20 dans ce quatrième round. Et revenez en chat. Si vous pouvez faire des transitions rapides, vous pouvez tout à fait, on vous encourage. Vous pouvez tourner sur place, il reste 50 secondes. On passe en crabe. Oh, c'était beau ça, c'était agile. On repasse en chat. Quelle belle bête, hein. On repasse en crabe. Un peu lourd. On repasse en chat. On repasse en crabe. Sébastien. Et on finit en chat. Et 3, 2, 1. Soufflez. Reposez-vous. Détendez-vous les membres. Les membres. Les beaux membres. Ah, je sais pas vous, mais ici il fait chaud. Ouh là là. Ah, j'espère que c'est vous aussi, vous êtes chaud. Caliente. Alors, comment ça va? Est-ce que y a pas de bobos, tout ça? Si c'est le cas. Ils ont plus de bras, ils peuvent plus écrire. Si c'est le cas, prenez l'adaptation la plus simple. Et s'il n'y a pas d'adaptation, marchez, sautillez, attendez qu'il y ait un exercice que vous puissiez faire. Ou remplacer par un exercice que vous connaissez. Et bien, les amis, le dernier round, il arrive. Et le dernier round, c'est unexpected. Unexpected, c'est-à-dire que vous allez devoir suivre mes indications et il y aura des burpees. Donc pour les burpees, c'est une pompe, un saut. On fait attention à l'atterrissage, on se préserve, etc. On part dans 5, 4, 3, 2, 1, avec de la bagarre. C'est parti, on bagarre. On bagarre très fort, très très fort. Je me suis trempé.
coup de pied. Allez, esquive et on contre. Esquive, on contre. Burpees. Contre, c'est se coiffer. Voilà, c'est ça. Burpees, un burpees, on rebagarre. On bagarre. Le burpees, ça peut être vu comme un sprawl. Pour ceux qui font de la lutte. Des coups de genoux, on donne de l'intensité, on se protège, on se coiffe, on se recoiffe, on esquive, on se déplace, plus lentement, voilà, hop, tac, tac, tac. Et 5 burpees, c'est parti les amis. Si vous avez fini les burpees avant Mélissa, vous reprenez la bagarre. C'est pas possible, je suis trop rapide. Ils peuvent pas finir avant moi. Challenge. On rebagarre et on passe en chat. C'est parti. Oh putain, les bras. Allez. Donc le chat, hein, si il ne passe pas, on passe en bébé. On repasse en bagarre que en coup de pied cette fois-ci. Je glisse. On change de pied. Allez, petit pas, et on saute. Petit pas, on saute. On continue. Et on part sur du crabe, tout doucement. Du crabe lent. Très bien, Mélissa. Je suis sûr que vous êtes aussi studieux qu'elle. On part sur du canard. Pas possible, je suis la meilleure. Fais attention au canard, hein, les genoux commencent à être fatigués là, enfin les jambes commencent à être fatiguées, donc si la flexion complète ici du genou, vous êtes moyen sûr, vous remontez et vous faites une marche avec jambes fléchies. On passe en chat. Allez, kiffez les amis, je vais vous monter un peu le son pour finir là. On passe en singe. Et 3 burpees, c'est parti. On se relève, on se protège et on bagarre. On bagarre. Oh les bras là, oh là là, oh c'est dur. Voilà, on bagarre, on se protège, on remet les mains devant, on tape, jab cross, crochet. On se protège, on tape. Et 2 burpees. Oh. Je vais enlever les bras. Hop. Et on bagarre. C'est parti. On passe sur le singe. On part sur les fentes, coup de genou. Allez, tenez bon, faites attention à votre genou de la jambe avant. Si vous sentez qu'il ne peut pas descendre trop bas, si vous ne pouvez pas descendre assez trop bas, descendez moins bas et donnez votre coup de genou en imaginant que vous avez une tête dans la main que vous venez frapper sur le genou, toujours en mouvement croisé. Changez de jambe. J'ai déjà changé. T'as déjà changé, mais on continue. Et on part sur du chat. Avec la baballe si on veut. Non, c'est bon. No thanks. Rendu, je lui ai rendu ce qu'elle m'a donné. Allez, soufflez. Voilà, le baby, si vous n'y arrivez pas. Pour ceux qui connaissent le croco, vous pouvez faire du croco sur ce chat-là. L'alligator. Voilà, l'alligator pour ceux qui veulent, avec la pompe. On se relève, on esquive, on est mêlé là. Il y a quelqu'un qui nous attaque, on esquive. On rend des coups de temps en temps, on esquive, on rend. On rend avec un coup de pied si on peut. On esquive, on rend. Allez, petit pas. Jusqu'à ce que je dise saute. Et là, 10 secondes de bagarre à fond les amis. C'est parti, c'est la fin. Rythme maximal. 5, 4, 3, 2, 1. Bien joué les amis. Oh pétard. Oh pétard les amis.
Alors, vous vous êtes donné à 2000%. Surtout moi. Surtout, apparemment. Donc, respirez, marchez. Bien un coup, hein. En tout cas, en premier lieu, bravo, vraiment, vous êtes tous déchirés. J'espère que vous avez kiffé, que vous n'êtes pas fait mal surtout. Ah, c'est Mélissa qui nous a boosté tout à l'heure avec son gros plan, je pense. Pourtant, je ne suis pas de ce bord, hein, mais franchement, façon, c'est, on sait ce qui fait quand de la les vie, choses hein. sont belles, on doit le dire, on doit le reconnaître. En tout cas, on peut le reconnaître. Voilà, okay. C'est tout ce que j'avais à dire. Eh bien les amis, on va faire redescendre la tension puisqu'on va faire un retour au calme avec quelques postures histoire de d'essorer la colonne. C'est moi qui le fais. Ah, c'est Mélissa qui le fait. Ouh. Si vous voulez, hein, si vous vous y opposez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Allez Mélissa, tu... Donc déjà voilà, on a fait la marche, on va faire une petite respiration type Qigong. Qigong, je sais pas si on dit Qi. Bref, vous pouvez écarter les jambes un peu plus larges que bassin. Une fois que vous serez un peu descendu. Et on va être un peu plié dans les jambes. Les bras, comme si on portait un gros paquet. Et on va inspirer, faire monter les bras. Tendre les jambes et à l'expire, redescendre les bras et les jambes. Les mains et les jambes. Donc là, mon rythme cardiaque est encore un peu soutenu. Je crache de l'eau partout, plutôt de la sueur. Et on va vous laisser... 5 bonnes respirations en silence pour que vous vous recentriez. Faites monter l'énergie. Essayez d'être le plus fluide possible. Vous allez pouvoir passer en torsion assis. Ok. On vient s'asseoir et on vient tendre une jambe devant, la jambe droite par exemple. On va croiser la jambe gauche par-dessus le pied droit, donc à droite de la jambe. Le pied gauche à droite de la jambe gauche, de la jambe droite. Donc vous avez compris. La main gauche derrière les fesses. On tend le bras comme si on s'en servait d'un tuteur. À l'inspire, on va enrouler la jambe gauche avec le bras droit. Et à l'expire, on se grandit, on va chercher vers l'arrière. Si c'est pas assez, vous pouvez mettre le coude droit dans le genou gauche et accentuer la torsion. Grandissez-vous avant de tourner. Respirez. Inspire. Expire, on revient au centre. On décroise, on tend la jambe gauche, on passe la jambe droite par-dessus. Main droite derrière les fesses. Tuteur, inspire, on enroule la jambe droite avec le bras gauche. On se grandit, à l'expire, on tourne. On a un petit visiteur. On inspire. Expire, on revient. Vous pouvez décroiser. Et on va s'allonger. Aidez de vos bras pour ça. Oh là là. Bras le long du corps, paume de main vers le ciel dans la posture de Shavasana, la posture du cadavre en yoga. Vous pouvez fermer les yeux. Et essayer de relâcher tout votre corps, tous vos muscles pendant quelques secondes ici. On va faire une bonne minute de Shavasana. On va... vous laissez gérer cette respiration et au gong, il y aura un gong de début et au gong de fin, ça sera la fin de la respiration et la fin de la séance. Les pieds à la tête, essayez de relâcher.
doucement bouger, commencer à bouger, vous asseoir. Et ouvrir les yeux. Et vous pouvez vous applaudir. Bravo, bravo, bravo. Ouh là là, les poils de chat. Bravo et merci d'avoir suivi cette séance assez intense avec nous. En tout cas, pour moi, elle a été un petit peu intense. Je pense que ça se voit. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez vécu, et ce que vous aimez, ce que vous avez moins aimé, etc. Nous, en tout cas, on vous dit à très vite, à la semaine prochaine, pour un nouveau live cross-training. N'hésitez pas à nous dire non plus quel type de choses, quel type de mouvement, quel type de boîte vous aimeriez voir. On va vous proposer toujours de la nouveauté, mais n'hésitez pas à nous mettre en commentaire ce que vous voulez. Très importante, les commentaires. Voilà, on a une chaîne Tipeee aussi pour si vous voulez participer à la chaîne. On a le TikTok depuis très peu, on a Instagram, n'hésitez pas à nous suivre, voilà, et à partager, ça nous fera super plaisir. Mélissa, t'as un mot de la fin ou comment ça se passe? On vous aime. Oh, c'est voilà. Beau. Allez, ciao les graines ouvertes.